Salut à tous et à toutes, c'est Chamallow et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma 3DS japonaise. Voilà, je suis encore sur ma 3DS japonaise, ça fait un bout de temps que je suis pas allé sur l'européenne, mais pour vous dire que à la période des fêtes, il y a plein de choses sur la console japonaise, il y a plein de trucs qui sortent. Et j'avais envie de vous partager aujourd'hui quelque chose de tout nouveau sur 3DS, la fonction décoration du menu. Voilà, en fait, vous avez pu voir avant dans la vidéo, au début de la vidéo, que je décorais avec des icônes mon menu. Voilà, donc avec la petite musique Animal Crossing. Voilà, c'était sur le thème Animal Crossing. Donc, du coup, Nintendo a décidé de sortir un nouveau logiciel, un petit peu comme la boutique à thème en fait. C'est un truc encore payant malheureusement. Mais bon, il y a quelques essais gratuits de temps en temps, mais je vais vous expliquer tout ça. Alors en fait, Nintendo du coup a décidé de sortir le Badge Center. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement, vous allez voir tout de suite, c'est tout simplement une machine, une sorte de machine, comme vous voyez dans les fêtes foraines, voilà, où on attrape les peluches. Alors, je sais pas trop le nom, en anglais c'est Claw Machine, mais je sais plus trop en français, je sais plus. Bref, voilà, c'est une machine qui va attraper comment ça s'appelle ça, je sais plus le nom, vous me direz en commentaire. Mais voilà, c'est une machine qui va nous attraper, donc c'est nous qui contrôlons, voilà, qui sont décalés le truc, hein. C'est quand même assez simple, c'est pas comme à la fête foraine, c'est pas autant l'arnaque. On arrive quand même à attraper des trucs qu'à la fête foraine, faut quand même des fois jouer longtemps pour réussir à attraper une peluche. Là on arrive quand même, bon, c'est quand même pas donné, hein, mais on arrive quand même à attraper quelques icônes. Alors, comme vous pouvez voir, c'est Animal Crossing, donc là on a des dérivés des icônes principales dans les menus. Donc là, l'appareil photo, les statistiques, connexion sans fil, paramètres, ensuite Plasmi, Street Pass. Voilà, on a plein de dérivés. Alors pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais on a tous les dérivés Animal Crossing. On a aussi Mario. Alors si je fais par retour, ouais, alors si je retrouve, alors on a aussi Mario, donc voilà, des petites icônes Mario, donc bien sympa. Voilà, des petites icônes sympas. Alors donc c'est payant malheureusement, je suis désolé, hein. 60 centimes si je convertis 90 yens en euros, ça fait 60 centimes. Donc 60 centimes les 5 essais, donc c'est quand même pas donné, je dirais, hein, pour des trucs virtuels, hein, voilà. Mais bon, ça fait quand même quelques, voilà, on se fait plaisir, on met 5 euros, voilà, pas beaucoup. Comme ça on décore un petit peu notre menu, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est vrai que si vous êtes fauché, vous aurez pas forcément trop de chance d'avoir trop d'icônes, beaucoup d'icônes. Mais quand même, alors c'est pas gratuit pour autant, mais vous avez de temps en temps des chances d'obtenir gratuitement des icônes. Alors comment ça marche, je vais vous montrer tout ça. Alors je peux pas malheureusement aujourd'hui, mais en fait on a un système de loterie, en fait, de chance, voilà. Donc on va faire le même truc, sauf qu'on va attraper des trucs en bois, attraper des badges en bois. Et lorsque, à la fin, lorsqu'on aura attrapé le maximum de badges, hein, c'est 5 essais, 5 badges, hein, donc à peu près, voilà, lorsqu'on aura fini nos 5 essais, on va avoir donc nos badges qui vont se retourner. Et si derrière un badge on a une fléchette rouge, on aura droit à 3 essais, donc dans toute la gamme, dans toute la boutique, voilà. Donc franchement, voilà, ça c'est super. Si on n'a pas d'argent, on peut quand même récupérer de temps en temps quelques icônes. Donc ça, c'est franchement sympa de la part de Nintendo d'avoir proposé ça. Après, c'est vrai que si vous voulez tout de suite, si vous voulez tout, il va falloir payer, voilà. Alors donc, je pense que je vais vous laisser là. Je vais quand même vous proposer mes tirages, hein. J'en ai fait des tirages, je les ai filmés. Donc voilà, je vous laisse donc sur cette magnifique porte qui ramène au magasin des thèmes, voilà, et bon visionnage. Thank you.
Thank you.